الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes frères et sœurs, nous avons rendez-vous aujourd'hui avec l'aide d'Allah tabaraka ta'ala avec un héros parmi les compagnons du prophète alayhi salatu wasalam. Il s'agit du chef de la tribu des Banu Abd al-Ashhal. Il s'agit d'un homme qui a été la cause d'un immense bien à Médine. Cet homme a embrassé l'islam par la cause de Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu. Il s'agit du véridique des Ansar, du pieux. Il s'agit d'un homme dont son jugement a été conforme à celui d'Allah tabaraka ta'ala. Il s'agit d'un homme pour qui le trône d'Allah azza wa jalla a tremblé. Qui est cet homme? Connaissez-vous le véridique des Muhajirin? C'est Abu Bakr. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. C'est le véridique des Muhajirin. Les Muhajirin, c'est qui? C'est ceux qui ont émigré de Mecca à Médine, n'est-ce pas? Donc, le véridique des Muhajirin, c'est Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Aujourd'hui, on a rendez-vous avec un homme qui a été nommé le véridique des Ansar, des habitants de Médine. Qui est cet homme? Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah a dit: cet homme avec qui nous avons rendez-vous aujourd'hui a été pour les Ansar ce qu'était Abu Bakr pour les Muhajirin. Cet homme est Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu wa an jami' as-sahaba. Que connaissez-vous de Sa'd ibn Mu'adh? Que connaissez-vous de Sa'd ibn Mu'adh? Que connaissent nos enfants de Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu? Ça suffit de cette perte de temps devant la télé, devant le tweet, devant le Facebook, hein? On est là toute la journée à perdre du temps et on ne connaît pas nos ancêtres. Quels sont les noms qu'on connaît? Et quels sont les noms que nos enfants connaissent? Quelles sont les photos qu'accrochent nos enfants au-dessus de leur lit? Quelles sont les personnalités dont nos enfants apprennent les histoires? Nos enfants savent que celui-là vaut tel prix et tel autre vaut tel prix. N'est-ce pas? Je parle des joueurs de foot. Mais est-ce qu'ils connaissent quelque chose de Sa'd ibn Mu'adh, de Mus'ab ibn Umayr qu'on a vu la semaine dernière, de Hudhayfa ibn al-Yaman qu'on a l'intention inchallah de voir ensemble, de Khalid ibn al-Walid? Est-ce qu'ils connaissent ces noms? Racontez plutôt à vos enfants et aux membres de la Ummah la vie des compagnons, la vie des prophètes, la vie du prophète alayhi salatu wasalam. Racontez-leur la biographie de ces grands hommes. Notre héros du jour a été la cause du tremblement du trône du miséricordieux. Déjà rien qu'avec ça, on voit que cet homme, c'était pas n'importe qui, n'est-ce pas? Il a été la cause du tremblement du trône du miséricordieux. Il ne faisait pas trembler les stades ni les théâtres, mais à sa mort, ce compagnon a fait trembler le trône d'Allah tabaraka ta'ala. Il s'agit de Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu. Voyons ensemble comment était Sa'd ibn Mu'adh avant l'islam. Sa'd ibn Mu'adh était le chef de sa tribu, la tribu de Bani Abd al-Ashhal, ou à Médine. Vous me suivez? Il était un ami de Umayy ibn Khalaf, le Qurashi qui était mécréant et qui avait été tué à Badr. Et Sa'd ibn Mu'adh était un allié de la tribu juive des Bani Qurayza qui vivait à Médine. Sa'd ibn Mu'adh était un allié de la tribu juive des Bani Qurayza qui vivait à Médine. Sa'd ibn Mu'adh embrassa l'islam à l'âge de 31 ans. Donc, jeune, n'est-ce pas? 31 ans. Et il est décédé à quel âge? À l'âge de 37 ans. Donc il n'a connu l'islam que 6 ans. Imagine-toi 6 ans d'efforts et d'adoration dont le résultat, le jour de sa mort, a été le tremblement du trône du miséricordieux. 6 ans. Mus'ab ibn Umayr
a été la cause de la reconversion de Saad ibn Mu'adh. On a vu la semaine dernière la biographie de Mus'ab ibn Umayr, n'est-ce pas, vous vous en rappelez? On avait vu ensemble que Mus'ab ibn Umayr avait été envoyé à Médine pour inviter les gens à l'islam, n'est-ce pas? Que les Médinois avaient demandé au prophète, alayhi salatu wasalam, alors qu'ils étaient minoritaires, hein, d'envoyer quelqu'un pour que cette minorité musulmane devienne une majorité musulmane. Donc le prophète, alayhi salatu wasalam, a envoyé qui parmi ses compagnons? Mus'ab ibn Umayr comme premier ambassadeur de l'islam. Il est parti à Médine et il a été reçu par, est-ce que vous en rappelez? Par As'ad ibn Zurara. Il a été reçu par As'ad ibn Zurara radiyallahu anhu, ou à Médine. As'ad et Mus'ab ibn Umayr partirent ensemble dans la demeure des Banu Abd al-Ashhal et celle des Bani Dhufar. Et une fois chez eux, Mus'ab et As'ad appelaient les gens à l'islam et Mus'ab leur récitait le Coran, il leur apprenait l'islam. Par la suite, Mus'ab ibn Umayr partit à la rencontre de deux grands hommes qui étaient Sa'd ibn Mu'adh et Usayd ibn Hudayr. Et ils étaient les chefs des Banu Abd al-Ashhal. Donc, quand Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu s'est installé à Médine chez As'ad, As'ad ibn Zurara, As'ad c'était le cousin de Sa'd ibn Mu'adh, le héros de notre jour. D'accord? Donc As'ad et Mus'ab ibn Umayr, ils sont ensemble. Et Sa'd ibn Mu'adh, qui n'était pas musulman et qui était le chef de sa tribu, lui et Usayd ibn Hudayr, ils sont en train de discuter de ces deux hommes qui sont en train de prêcher l'islam. En particulier de Mus'ab ibn Umayr. Alors Sa'd ibn Mu'adh, pour ne pas rentrer en guerre avec son cousin, qui était As'ad, qui avait reçu Mus'ab ibn Umayr, a demandé à Usayd, son ami, va voir toi ces deux hommes et chasse-les. Chasse-les de Médine, avec cette nouvelle religion avec laquelle ils sont venus, etc. Donc Usayd ibn Hudayr, après avoir discuté avec Sa'd ibn Mu'adh, notre héros du jour, décida de chasser cet intrus venu de la Mecque avec une nouvelle religion pour détourner les gens de Yathrib de leur croyance ancestrale. Yathrib, c'était le nom de Médine à l'époque. D'accord? Il est sorti avec sa lance, qui est Usayd, et il est parti à la recherche de Mus'ab ibn Umayr, avec la ferme résolution de le faire quitter Médine, pour qu'il n'y mette plus les pieds. Lorsqu'il arriva devant Mus'ab et As'ad, donc les deux musulmans, As'ad dit à Mus'ab, il s'agit du chef de la tribu. Sois sincère envers Allah dans ton discours avec lui. Mes frères et sœurs, on vous l'a dit et on ne cessera de vous le répéter, tout est dans la sincérité. Et je demande à Allah tabarak wa ta'ala de nous accorder la sincérité et la piété. Mus'ab ibn Umayr dit, s'il accepte de s'asseoir, je parlerai avec lui. Puis, Usayd, qui est venu en colère avec sa lance, dit, pourquoi êtes-vous venu chez nous, trompant et corrompant les plus faibles d'entre nous? Qui a dit ça? C'est Usayd, qui a été envoyé par Sa'd ibn Mu'adh. Usayd, en arrivant donc, a dit aux deux hommes, pourquoi êtes-vous venu chez nous, trompant et corrompant les plus faibles d'entre nous? Allez-vous en notre ville, si vous ne voulez pas qu'il vous arrive un malheur. Mus'ab ibn Umayr, qui a été envoyé donc pour prêcher à Médine, il s'adressa à Usayd avec sagesse, et en souriant, il lui a dit, assieds-toi et écoute ce que j'ai à dire. Si mes paroles te plaisent, tu les acceptes. Sinon, on cessera une fois pour toutes de t'importuner. Il a été sage. Il a dit, c'est toi et écoute. Si ça te plaît, t'acceptes. Si ça te plaît pas, on arrêtera de te contrarier. Qu'est-ce qu'il a dit au Saïd? Il lui a dit, tu dirais. Ça lui a plu. Il a dit, tu dirais. Il a posé sa lance par terre et il s'est assis pour écouter. Et avant que Mus'ab ibn Umayr ne termine son prêche, au Saïd était déjà convaincu. Puis cet homme a dit, et là c'est impressionnant, quelles sont belles et véridiques ces paroles. Que faut-il faire pour adhérer à cette religion? Et là, on lui répondit, purifie ton corps, donc le rusl, et tes habits, et témoigne que la ilaha illallah, et que Muhammad est son envoyé. Puis prie deux rakat, deux unités de prière. Usayd fit avec une extraordinaire ferveur ce qu'on lui avait demandé de faire. Une fois que Usayd ibn Hudayr a fait le rusl, a purifié ses vêtements, a prononcé shahada, il a pris deux rakat, il a dit, il y a un homme dans cette ville, s'il vous suit, de par son influence, tout le monde le suivra. Il s'agissait de Sa'd ibn Mu'adh, le héros de notre jour. Il a tellement d'influence dans la ville, s'il embrasse l'islam, tout le monde va suivre. Et là on voit une chose, c'est qu'il vient de prononcer l'attestation de foi et il sent la responsabilité immédiate d'appeler à Allah.
Ça fait combien d'années qu'on est dans l'islam? Et combien de personnes en appelaient à Allah? Combien? Usayd, qui est à Mus'ab et As'ad, est retourné voir Sa'd ibn Mu'ad. Sa'd ibn Mu'ad, en voyant Usayd revenir, dit aux gens autour de lui, par Allah, Usayd revient avec un visage qui est différent de celui de son départ. Son visage avait changé. Les ténèbres du shirk avaient disparu de son visage et ont laissé place à la lumière du tawhid. Lorsque Sa'd vit Usayd, il lui demanda ce qu'il avait fait. Usayd lui a dit, je leur ai demandé de ne plus parler et ils m'ont dit, on fera ce que tu veux. Puis Usayd dit à Sa'd, il m'est parvenu que Bani Haritha est à la recherche de ton cousin As'ad pour le tuer. Et là, en fait, il a utilisé une petite ruse. Pour faire en sorte que Sa'd ibn Mu'adh entende lui-même ce que Mus'ab dit, il lui a dit, il m'est parvenu qu'une tribu, donc les Bani Haritha, veulent tuer ton cousin. Et ça reste son cousin, même s'il n'est pas sur la même croyance que lui. N'est-ce pas? Donc il a trouvé une ruse pour que Sa'd ibn Mu'adh, à son tour, parte devant Mus'ab ibn Umair et écoute de ses oreilles ce qu'ils ont à prêcher. Donc Sa'd qui entend ça, il dit quand même, c'est mon cousin. Alors, il va en toute vitesse voir ce qui se passe. Sa'd arrive sur place et voit que les deux hommes étaient sereins. Il en a déduit directement que Usayd lui avait dit tout cela uniquement pour qu'il se rende sur place et qu'il écoute de lui-même ce qu'ils avaient à dire. Sa'd, une fois sur place, dit à son cousin As'ad, qui avait reçu Mus'ab ibn Umair. Sa'd dit à As'ad, son cousin, par Allah, si ce n'était pas les liens de parenté qui nous unissent, je ne t'aurais pas demandé cela. Puis il lui a dit, es-tu venu chez nous pour nous contrarier? As'ad dit à Mus'ab ibn Umair, le chef de la tribu vient d'arriver, s'il te suit, tout le monde dans cette ville te suivra. Mus'ab ibn Umair dit à As'ad, assieds-toi et écoute ce que j'ai à te dire. Si mes paroles te plaisent, tu les acceptes. Sinon, nous cesserons une fois pour toutes de t'importuner. Des paroles sages et sensées qui suscitèrent l'accord de Sa'd ibn Mu'adh. Il dit à Mus'ab ibn Umair, tu dirais. Il posa sa lance par terre et il s'assit pour écouter. Avant que Mus'ab, radiyallahu anhu, ne termine son prêche, Sa'd ibn Mu'adh était déjà convaincu. Sa'd leur a dit, que faut-il faire pour adhérer à cette religion? On lui répondit, purifie ton corps et tes habits et témoigne, donc que la ilaha illallah et Muhammad Rasulullah, et prie de rakat. Sa'd se purifia le corps et les habits, il prononça l'attestation de foi, pria de rakat, puis prit sa lance et alla rejoindre sa tribu accompagné de Usayd ibn Hudayr qui lui aussi venait d'embrasser l'islam. Lorsque sa tribu le vit revenir, quand ils ont vu Sa'd ibn Mu'adh revenir, ils dirent, par Allah, Sa'd revient avec un visage qui est différent de celui de son départ. Sa'd arriva auprès de sa tribu et s'adressa à eux en disant, donc là ça y est, Sa'd ibn Mu'adh, le héros de notre jour, il est enfin musulman. Et là, qu'est-ce qu'il va dire immédiatement? Il va dire à sa tribu, qu'est-ce que je représente pour vous? Ils dirent, tu es notre chef et le meilleur d'entre nous. Sa'd leur a dit, je n'adresserai la parole à personne d'entre vous tant que vous ne croirez pas en Allah et en son messager. Allahu Akbar. Il embrasse l'islam et ressent lui aussi ce rôle d'appeler à l'islam. Et le jour même, il demande à sa tribu d'embrasser l'islam. Je n'adresserai la parole à personne d'entre vous tant que vous ne croirez pas en Allah et en son messager. Subhanallah, il vient d'embrasser l'islam. Et en quelques minutes, il prend la responsabilité d'appeler les gens à Allah tabaraka ta'ala. Combien de personnes embrassent l'islam par notre cause? Alors qu'on est musulman depuis longtemps, combien? Et subhanallah, le jour même, tous les hommes et toutes les femmes de la ville embrassèrent l'islam. Donc Sa'd ibn Mu'adh a embrassé l'islam et celui qui en a été la cause a été Mus'ab ibn Umair. Donc ça c'est la cause de sa reconversion. Ensuite, sachant qu'on peut parler très longtemps de chaque compagnon, on va prendre quelques extraits de sa vie. Le jour de la bataille de Badr, c'était la première bataille entre les musulmans et les mouchriquines de Quraysh, les polythéistes de Quraysh. Lors de la bataille de Badr, notre héros, Sa'd ibn Mu'adh, fit preuve d'un immense courage. Avant la bataille, le prophète, alayhi salatu wasalam, a voulu connaître l'avis de ses compagnons. C'est la première bataille. Et dans les compagnons, on a deux groupes. On a le groupe des Ansar, donc de ceux de Médine, et des Muhajirin, de ceux qui ont quitté la Mecque pour aller à Médine, qui ont émigré de Mecca à Médine. Parmi eux, il y avait Abu Bakr, il y avait Omar, c'était des Muhajirines, n'est-ce pas?
Mais les muhajirin, ils étaient peu nombreux comparés aux Ansar. Du côté des généraux de l'armée des muhajirin, Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu, Omar ibn Khattab se levèrent, prirent la parole et préconisèrent l'affrontement. En combat. Al-Miqdad ibn Amr, qui était lui aussi des muhajirin, qui avait quitté la Mecque pour Médine, d'accord, se leva et dit, ô messager d'Allah, fais ce qu'Allah te demande de faire, nous serons avec toi. Regarde l'engagement des compagnons, des hommes, ils n'abandonnent pas le prophète alayhi salatu wa sallam. Fais ce qu'Allah te demande de faire, nous serons avec toi. Par Allah, nous ne te dirons point ce que les enfants d'Israël avaient dit à Moussa. Et ça c'est mentionné dans le Coran, dans Sourate Al-Ma'idah, Sourate 5, verset 24. Qu'est-ce qu'ils ont dit, Bani Israël, à Moussa? Ils ont dit, « Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. » Va, toi et ton Seigneur, battez-vous. Nous, nous restons ici. Donc Al-Miqdad, il dit au prophète alayhi sallam, on ne va pas dire comme les enfants d'Israël ont dit à Moussa. Plutôt nous disons, va toi et ton Seigneur combattez, nous combattrons avec vous. Je jure par celui qui t'a envoyé avec la vérité, que si tu nous menais vers le coin le plus reculé de la terre, nous combattrions à tes côtés au point de te permettre de l'atteindre. Allahu Akbar. Tu as vu l'engagement de lion qu'avaient les muhajirines. Ces trois généraux faisaient partie des muhajirines, d'accord? Et comme je l'ai dit, ils étaient minoritaires dans l'armée. La plupart étaient des Ansar. Hein, c'était les habitants de Médine. Le messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, souhaitait connaître également l'avis des généraux Ansar, dans la mesure où ceux-ci représentaient la majeure partie de l'armée, et que toute la bataille reposerait sur eux. Mais aussi, eu égard au fait que le pacte d'Al-Aqaba, ce pacte qu'il y avait eu entre le prophète, alayhi salatu wa salam, et un groupe de compagnons, dans ce pacte, il ne leur faisait pas obligation de combattre hors de chez eux. Donc le prophète, alayhi salatu wa salam, il veut savoir finalement, vous qui êtes plus nombreux, les Ansar, et qui n'avaient pas l'obligation de combattre en dehors de Médine, allez-vous me suivre? Le prophète, alayhi salatu wa salam, après audition des trois généraux muhajirin, s'exprima en ces termes. Dites-moi ce qu'il faut faire, ô vous les hommes. Ces propos visaient surtout qui? Les Ansar. Ces propos visaient les Ansar. Ils voulaient avoir leur avis. Vous me suivez jusque-là? Et qui va prendre la parole parmi les Ansar? Sa'd ibn Mu'adh. Alors, Sa'd ibn Mu'adh, qui était le général et le porte-drapeau des Ansar, comprit l'allusion du prophète, alayhi salatu wasalam, et dit, « Par Allah, on dirait que tu t'adresses à nous, au messager d'Allah. » Le prophète, alayhi salatu wasalam, dit, « En effet, Sa'd reprit, nous avons cru en toi, t'avons considéré comme véridique, et avons attesté que ce que tu apportes est la vérité. » Médite sur les paroles qui arrivent. « De plus, nous t'avons donné notre engagement à obéir à tous tes ordres. Vas-y donc, ô messager d'Allah, fais ce que tu veux. Je jure par celui qui t'a envoyé avec la vérité que si tu traverses avec nous cette mer, nous te suivrons tous sans exception. » Allahu Akbar. Si tu traverses la mer, on va te suivre sans exception. Le Nabi alayhi salatu wa salam ici voulait voir l'engagement des Ansar, et là Saad il prend la parole pour tout l'Ansar. Il lui dit, par celui qui t'a envoyé avec la vérité, que si tu traverses avec nous cette mer, nous te suivrons tous sans exception. Cela ne nous pose aucun problème d'être confrontés à l'ennemi demain. Nous savons bien supporter la guerre et rester nous-mêmes dans le combat. Peut-être Allah te montrera de notre côté ce qui te plaira. Emmène-nous donc combattre avec la bénédiction d'Allah. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? Un engagement de lion. Radiallahu anhum. Ah, wallahi, ça fait revivre les cœurs de parler des compagnons, wallahi. Dans une autre version, Sa'd ibn Mu'adh a dit au messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, peut-être que tu crains que les Ansar ne se disent avoir le droit de refuser de te secourir ailleurs que chez eux, mais parlant au nom de tous les Ansar et répondant à leur place, je te dis de lever le camp et d'aller où tu veux. Fais la paix avec qui tu veux. Et romps les liens avec qui tu veux. Prends de nos biens ce que tu veux pour nous en laisser ce que tu veux. Ce que tu nous as pris nous est plus cher que ce qui nous reste. Allahu Akbar. Ce que tu nous as pris de nos biens nous est plus cher que ce qui nous reste. Tes ordres sont au-dessus des nôtres. Par Allah, si tu marchais en direction du coin le plus reculé de la terre, nous te suivrons. Par Allah, si tu voulais traverser avec nous cette mer, nous te suivrons. Le prophète, alayhi salatu wasalam, se réjouit de l'intervention de Saad et dit, allez-y,
en vous réjouissant de la bonne nouvelle. Allah le Très-Haut m'a promis de faire partie d'un des deux groupes, ceux des vainqueurs ou ceux des martyrs. Allah il me l'a promis. J'aurai soit la victoire, soit j'aurai quoi ? Les martyrs. Par Allah, c'est comme si à présent je regardais ces gens combattre. Ce hadith est rapporté par Ibn Abi Shayba, Al-Bayhaqi et Al-Hafiz, Ibn Hajar al-Asqalani, l'a cité dans Al-Fath, Fath al-Bari. Saad ibn Mu'adh était un héros, comme je vous l'ai dit. Un héros. T'as vu un peu sa détermination ? T'as vu son engagement ? T'as vu quand il a pris la parole au nom des Ansar, ce qu'il a dit ? Il sait qu'ils sont minoritaires. Il sait que l'armée en face, elle est en grand nombre. Il sait qu'ils ont moins d'armes et que leur nombre est plus faible que l'ennemi. Mais avec ça, on voit ici que les compagnons ils s'engagent. Hein? Que Saad ibn Mu'adh n'a pas peur de l'ennemi. C'était des héros, radiyallahu anhum. Ça, c'était l'épisode de Badr. Pour ce qui est de la bataille de l'Ahzab, les coalisés. Le jour de la bataille de l'Ahzab, les musulmans étaient encerclés par Quraysh. Là, le prophète, alayhi salatu wasalam, qui était encore une fois en petit nombre avec les compagnons, se retrouve devant une armée de 10 000 combattants. 10 000 combattants qui sont répartis entre trois groupes. Ratafan, Quraysh et les Bani Quraïda, qui eux étaient des juifs qui vivaient à Médine et il y avait un pacte de paix entre eux et le prophète, alayhi salatu wasalam. Et ils ont rompu ce pacte et ils se sont alliés à deux ennemis qui venaient de l'extérieur et eux qui étaient de l'intérieur pour anéantir l'islam et les musulmans. Et l'idée qu'a eu Salman al-Farisi radiallahu anhu a été splendide. Il a dit au prophète alayhi salatu wasalam que pour éviter une défaite avec eux, il fallait creuser quoi ? Hein ? Des tranchées à l'entrée de Médine. Et donc de ce fait, ils allaient venir. Et ils ne pourront pas pénétrer Médine ni avec leurs chevaux ni à pied. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des tranchées creusées dans l'entrée de Médine. Et c'est ce qu'il a fait Nabi alayhi salatu wasalam avec ses compagnons. Ils ont donc creusé les tranchées. D'accord ? Et l'ennemi, quand il est arrivé, il a été impressionné. Ils ont dit, cette ruse, on ne l'a jamais connue. On ne l'a jamais connue. Mais ils sont restés à encercler Médine. D'accord ? Nabi alayhi salatu wasalam a voulu mettre fin à cette guerre en faisant un compromis avec Uyayn ibn Hisn et Al-Harith ibn Awf, les deux chefs des Ratafan. Donc on a dit qu'il y avait trois groupes, il y avait Ratafan, il y avait Quraysh et il y avait Bani Quraïda. Donc Nabi alayhi salam, il a voulu quoi ? Faire un compromis avec Ratafan, en leur réservant le tiers des récoltes de Médine. Le tiers des récoltes de Médine, et ceci pour les amener à se retirer avec leurs tribus, ce qui permettra aux musulmans d'arriver rapidement à mettre en déroute les Quraïchites. D'accord ? Tel était le sens du compromis. À ce sujet, le prophète alayhi salatu wasalam demanda aux deux Sa'd leur avis. Les deux Sa'd, c'était Sa'd ibn Mu'adh et Sa'd ibn Ubada. C'est alors que ceux-ci dirent au messager d'Allah, si c'est Allah qui t'ordonne d'agir de la sorte, si c'est Allah qui t'ordonne de leur donner un tiers des récoltes pour qu'ils partent, nous t'obéirons fidèlement. Mais si c'est une idée personnelle que tu désires nous soumettre, nous n'en avons point besoin. On n'en veut pas. Et regarde ce qu'il a dit. Nous pratiquons avec ces gens l'associationnisme, shirk, et le culte des idoles. À l'époque du shirk, ils n'ambitionnaient de profiter de ces récoltes que dans les cas où ils en achetaient ou bénéficiaient de notre hospitalité. À l'époque, quand ils voulaient de les récoltes, c'est soit on les invitait, c'était des invités donc on pouvait leur donner, soit ils venaient en acheter. Et là, Saad lui dit, à présent qu'Allah nous comble des bienfaits de l'islam, nous oriente dans ce sens et nous renforce par ta cause, pourquoi devrions-nous leur offrir nos biens ? Si à l'époque déjà, on ne pouvait pas espérer en avoir de cette manière aussi facile, là aujourd'hui qu'Allah nous a honorés par l'islam et par ta cause, on va leur donner comme ça gratuitement ? Par Allah, nous ne leur donnerons que des coups d'épée. Allahu Akbar. Nabi alayhi salatu wasalam, il a trouvé pertinent l'avis de qui ? De Saad ibn Mu'adh. On voit ici que Saad ibn Mu'adh, qui savait que les musulmans étaient peu nombreux, n'avait pas peur des ennemis, car il avait une foi immense qui le poussait à avoir confiance en Allah, à s'en remettre à Allah, à avoir peur que d'Allah. Pour en arriver à ce stade, il faut une foi en Allah très forte. Durant cette bataille, Saad ibn Mu'adh a été blessé par une flèche tirée par un mouchrik.
On le déplaça sous une tente dans la mosquée et le prophète alayhi salatu wasalam resta auprès de lui. Le Nabi alayhi salatu wasalam, il lui rendait visite. Sentant la mort proche, Sa'd ibn Mu'ad invoqua Allah en ces termes. Ô Allah, ne prends pas mon âme avant que je ne me réjouisse de la défaite des Bani Quraïza. C'était la tribu juive de Médine. Ô Allah, ne prends pas mon âme avant que je ne me réjouisse de la défaite des Bani Quraïza. Allah Ta'ala exauça son invocation. Après plusieurs jours de siège, les coalisés cédèrent. Quant aux juifs des Bani Quraïza, ils se retrouvèrent seuls. Ça y est, Ratafan Quraysh, ils sont partis. Maintenant, on est seul à Médine avec le prophète alayhi salatu wasalam. Et on a rompu le pacte et on a voulu le combattre de l'intérieur. Et là, ça y est, maintenant, ils nous ont abandonnés, Ratafan Quraysh. Donc on est seul. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont rendus aux musulmans. Ils avaient perdu le soutien de Ratafan et de Quraysh. Ils demandèrent au messager d'Allah alayhi salatu wasalam, de laisser leur sort entre les mains de leur ancien allié de l'époque, Sa'd ibn Mu'adh. Laisse notre sort entre les mains de qui? Sa'd ibn Mu'adh. Et là, Sa'd ibn Mu'adh va prononcer le jugement sur Bani Quraïza. Qu'est-ce qu'il va dire à votre ami? C'était un allié à eux à l'époque. Ils ont trahi les musulmans, oui ou non? Ils ont voulu les combattre de l'intérieur, oui ou non? Sa'd, qu'est-ce qu'il va dire à votre ami? Le prophète, alayhi salatu wasalam, demanda à faire venir Sa'd ibn Mu'adh qui était à Médine, et qui ne pouvait pas se déplacer à cause des blessures qu'il avait reçues lors de la bataille contre les coalisés. Sa'd ibn Mu'adh enfourcha un âne pour rejoindre le messager d'Allah alayhi salatu wasalam. À son arrivée, les compagnons se mirent à lui dire: Sa'd, traite bien tes alliés. Traite bien tes alliés. Sois clément à leur égard. Le prophète alayhi salatu wasalam avait choisi pour juger de leur sort. Sa'd resta silencieux, ne leur donnant aucune réponse. Lorsqu'ils insistèrent, il leur dit: « Il est temps que Sa'd ne fasse l'objet d'aucun blâme dans ses rapports avec Allah. Il est temps que Sa'd ne fasse l'objet d'aucun blâme dans ses rapports avec Allah. » Ayant entendu cela, certains d'entre eux retournèrent à Médine annoncer la mort des Bani Quraïza. Dès que Sa'd a rejoint le prophète alayhi salatu wasalam, le prophète alayhi salatu wasalam dit à ses compagnons: debout, allez accueillir votre chef. Regarde l'accueil. Debout, allez accueillir votre chef. Alors, les gens allèrent vers lui. Ils le firent descendre de son âne, puis dire: ô Sa'd, ces gens s'en remettent à ton jugement. Sa'd dit: allez-vous accepter mon jugement? Oui, répondirent-ils. Il reprit: est-ce le cas aussi pour les musulmans? Oui, répondirent-ils. Enfin, il a tourné son visage du côté du prophète alayhi salatu wasalam, il a dit: le prophète alayhi salatu wasalam, lui aussi va accepter mon jugement? Le prophète alayhi salatu wasalam lui répondit: oui. D'accord? Ainsi, Sa'd radiallahu anhu a dit: donc les hommes, je les condamne à mort. Donc les hommes, je les condamne à mort. Les enfants et les femmes seront emmenés en captivité et que leurs biens soient partagés. Qu'est-ce qu'il a répondu après ça, le prophète alayhi salatu wasalam? Le messager d'Allah alayhi salatu wasalam a dit: tu les as jugés conformément à la loi qu'Allah nous impose du haut des sept cieux. Allahu Akbar. Tu les as jugés conformément à la loi qu'Allah nous impose du haut des sept cieux. Ikhwan al-Kiram, Sa'd ibn Mu'adh radiallahu anhu, c'était pas n'importe qui. Il a tellement fait d'efforts et d'adoration et il a tellement sacrifié pour la religion d'Allah tabarak wa ta'ala. Rappelez-vous que c'était un chef de sa tribu à Médine. Rappelez-vous qu'il a demandé à toute sa tribu d'embrasser l'islam. Rappelez-vous à Badr que c'était un lion et qu'il a parlé au nom des Ansar. Rappelez-vous qu'il a été blessé à l'Ahzab et qu'il était toujours là à tout vouloir sacrifier pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le résultat de ses efforts est dans le hadith que rapportent l'imam al-Bukhari et Muslim selon Jabir. Selon Jabir radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wasalam a dit: le trône du tout miséricordieux a tremblé à la mort de Sa'd ibn Mu'adh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wallahi, c'est impressionnant. Sachez que le trône d'Allah Azzawajal est immense. Notre prophète alayhi salatu wasalam l'a décrit dans des hadiths. Et il est important qu'on voit ensemble la description du trône afin de prendre conscience de la grandeur de la chose. Al-Abbas ibn al-Muttalib radiallahu anhu a dit, le prophète alayhi salatu wasalam a dit: connaissez-vous la distance séparant le ciel de la terre?
Nous répondîmes, Allah et son prophète sont les plus savants. Le prophète, alayhi salatu wasalam, dit alors, la distance les séparant est de 500 ans de cheminement. Entre quoi ? Le ciel et la terre. Il y a 500 ans de cheminement. Et entre chaque ciel et le suivant, il y a 7 cieux, n'est-ce pas ? Et entre chaque ciel et le suivant, il y a 500 ans. Et l'épaisseur de chaque ciel est l'équivalent de 500 ans de cheminement. Et au-dessus du septième ciel se trouve une mer. Entre sa partie inférieure et sa partie supérieure, il y a la même distance séparant le ciel de la terre. D'accord ? Puis au-dessus de cela, il y a le trône. Puis au-dessus de cela, il y a le trône. Entre sa partie inférieure et sa partie supérieure, il y a la même distance séparant le ciel de la terre. Et Allah... Et au-dessus de tout cela, et aucune des actions des fils d'Adam ne lui échappe, rapportée par Boudaoud. Donc le trône, il est immense, n'est-ce pas ? Et il y a d'autres hadiths qui nous décrivent le trône d'Allah Azzawajal. Selon Abu Dhar, radiyallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, les sept cieux, écoute bien, les sept cieux comparés au kursi. Le kursi, c'est quoi ? Non. Le kursi, c'est pas le trône. Le trône, c'est l'arche. Le kursi, c'est le siège. D'accord ? Le kursi, c'est le siège dans la traduction littérale. Et le kursi, Ibn Abbas radiallahu anhu nous dit que le kursi, mawdi' al-qadamayn. Il a dit le kursi est l'emplacement des deux pieds. Des deux pieds du Tout-Puissant Azza wa Jal. D'accord ? Donc le siège, le kursi, c'est l'emplacement des deux pieds d'Allah tabaraka ta'ala. Et ça, ce affaire d'Ibn Abbas, il est rapporté par Ibn Khuzaima, Ibn Abi Shayba, il est authentifié par Al-Hakim dans son Mustadrak, l'imam al-Dhahabi l'a approuvé, et d'autres parmi les savants. D'accord ? Donc le prophète, alayhi salatu wasalam, nous dit, les sept cieux comparés au kursi. Le kursi, on a dit, c'est l'emplacement des deux pieds d'Allah tabaraka ta'ala. D'accord ? Les sept cieux comparés au kursi ne sont que comme un anneau de fer jeté dans le désert. Les sept cieux, comparés au kursi, ne sont que comme un anneau de fer jeté dans le désert. Vous me suivez ? Et le prophète, alayhi salatu wasalam, a dit, et la grandeur du trône par rapport au siège, le kursi, est comme celle de ce désert par rapport à cet anneau de fer. Je ne sais pas si vous voyez un peu la grandeur de l'arche, du trône. Et ce hadith, il est rapporté par Abu Nu'aym et il est authentifié par Cheikh Al-Albani dans ce silsila. Et At-Tabarani, dans son Mu'jam Al-Awsat, rapporte avec une chaîne de transmission authentique que selon Anas, le messager d'Allah a dit, il m'a été permis de faire état d'un des anges porteurs du trône. Alors, Nabi Al-Sami décrit maintenant un ange parmi ceux qui portent le trône d'Allah. Et son nombre de combien ? 8 baraklofik. Anabi alayhi salatu wasalam nous dit, ses pieds, il parle ici d'un parmi les anges qui portent le trône d'Allah, sont en bas de la terre et le trône sur sa corne, entre le lobe de ses oreilles et son épaule, le lobe de l'oreille, c'est ça, hein, le bout de ton oreille en bas, et l'épaule, il y a le battement des oiseaux durant 700 ans. Il y a 700 ans de vol d'un oiseau. Cet ange disant, Subhanaka haythu kunta, gloire à toi, n'importe où tu te trouves. Ça, c'est la description d'un parmi les anges qui porte le trône. Donc, à quoi ressemble le trône ? Donc, quand maintenant on revient au hadith de Saad, le trône du Tout Miséricordieux a tremblé à la mort de Saad ibn Mu'adh. Est-ce que maintenant tu ressens plus la grandeur de la chose ? Et l'imam al-Nawawi rahimahullah a choisi que le trône d'Allah a réellement tremblé. Parce que certains ont donné une autre interprétation et ont nié le sens apparent du hadith. Walakin al-Imam an-Nawawi a choisi que le trône d'Allah a réellement tremblé. Parmi les mérites de Saad ibn Mu'adh, on a aussi qu'il fait partie des habitants du paradis. Ça, Nabi alayhi salatu wasalam l'a annoncé dans un hadith qui est authentique. Al-Bara ibn Azib radiallahu anhu a dit, un jour, le messager d'Allah alayhi salatu wasalam apporta un vêtement de soie. Un vêtement de soie. Et les gens se mirent à en admirer la beauté et la mollesse, sa souplesse. Alors le messager d'Allah, alayhi salatu wasalam, dit, médite bien comme il faut sur ce hadith. Les mouchoirs de Saad ibn Mu'adh au paradis sont meilleurs que ceux-ci rapportés par le Bukhari. Donc on a une information. Un, c'est que Saad ibn Mu'adh fait partie des gens du paradis, n'est-ce pas ?
Parmi les mérites de Sa'd ibn Mu'adh, radiallahu anhu, on a aussi que les anges ont porté son cercueil. C'est immense, hein. Selon Anas, radiallahu anhu, lorsque le cercueil de Sa'd ibn Mu'adh a été porté, les hypocrites dirent « Quel léger cercueil ! Quel léger cercueil !» Le messager d'Allah, alayhi salatu wasalam, en a été informé et dit « C'était les anges qui le portaient. » Rapporté par Bukhari Muslim. Donc, il était assez fort, radiallahu anhu. Et quand ils l'ont porté, ils ont dit « C'est bizarre, il est léger. » Le prophète, alayhi salatu wasalam, leur a dit « C'était les anges qui le portaient. » Et selon Ibn Umar, radiallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wasalam, dit à propos de Sa'd ibn Mu'adh « Il s'agit du serviteur pieux, celui pour qui le trône a tremblé. Les portes des cieux lui ont été ouvertes. Celui qui a été accompagné de 70 000 anges qui ne sont pas descendus sur terre avant cela. » Allahu Akbar. 70 000 anges ont accompagné Sa'd ibn Mu'adh à son enterrement. C'est pas impressionnant, franchement? C'est impressionnant. 70 000 anges. Il s'agit du serviteur pieux, celui pour qui le trône a tremblé. Les portes des cieux lui ont été ouvertes. Il a été accompagné de 70 000 anges qui ne sont pas descendus sur terre avant cela, et il a été serré dans sa tombe une fois avant d'être relâché, rapporté par An-Nasa'i et authentifié par Cheikh l'Albani. T'imagines, il a été accompagné le jour de sa mort de 70 000 anges qui ne sont pas descendus sur terre avant cela. C'est pour vous montrer, Ikhwani, que Sahaba, radiallahu anhum, c'était pas n'importe qui. C'est vrai, c'est pas vrai. Aujourd'hui, quelqu'un qui fait partie des héros aux yeux de la masse, c'est qui? C'est il a joué deux films, hein? Il a fait le mytho dans les films. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est ça ou c'est pas ça? Et pour rien du tout, on dit que c'est un héros. Mais que dire de Sahaba, radiallahu anhum? Si eux, c'est des héros, que dire de Sahaba? Dites-moi, que dire d'eux? Radiallahu anhum ajma'in. Taïb, concernant la mort de Sa'd, étant donné le sort réservé à Bani Qurayza, l'invocation du serviteur vertueux a été exaucée. Vous vous rappelez sûrement que Sa'd ibn Mu'adh, il avait fait une invocation à Allah subhanahu wa ta'ala en disant « Oh Allah, ne prends pas mon âme avant que je ne me réjouisse de la défaite des Bani Qurayza », n'est-ce pas? Cette invocation, il l'avait faite lors de la bataille contre les coalisés. Le prophète alayhi salatu wasalam, avait dressé pour lui une tente dans la mosquée de manière à le surveiller de près. Après le châtiment de Bani Qurayza, les blessures de Sa'd se rouvrirent. À ce sujet, Aïcha radiallahu anha dit « Ses blessures se réouvrirent et son sang dégoulina vers Bani Rifar, qui avait aussi une tente dans la mosquée. Ceci dire, ô vous autres, dans cette tente, qu'est-ce qui nous vient de vous ?» Sa'd, tout ensanglanté, succomba à ses blessures. Et c'est ainsi qu'il décéda, radiallahu anhu, il décéda en l'an 5 de l'Hégire. Il était âgé de 37 ans. Le prophète, alayhi salatu wasalam, pria sur lui et il a été enterré dans le cimetière du Baqi'a à Médine. Qu'Allah tabarak wa ta'ala récompense Sa'd ibn Mu'adh pour tous ses efforts et ses sacrifices. Cet homme qui a été courageux, cet homme qui a été pieux, cet homme qui a laissé son empreinte avant de mourir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde le plus haut degré du paradis. Qu'Allah tabarak wa ta'ala nous réunit en son compagnie le jour du jugement, accompagné de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et je demande à Allah azzawajal de nous réunir avec un Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam et ses nobles compagnons au paradis. As-salah tabarak wa ta'ala n'yanfa'ni bima qultu n'yanfa'kum bima sami'atum. Hatha ma a'lam wallahu azzawajal a'la wa a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khayr. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.